What up, la Becter Family, c'est moi ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la bien titre, essayez de ne pas réagir, hashtag 2. Donc, très simple. Vous connaissez un peu les challenges, j'essaie de ne pas réagir. Donc, je vais rester neutre devant une vidéo. Et le dentiste, c'est marqué spécial TikTok. Donc, je vais me promener sur TikTok. Je vais me balader pas mal sur TikTok. Donc, je trouve des vidéos. Je vais regarder dans la homepage. Et je ne devrais pas réagir. Et je n'aurai pas le droit de détourner le regard. Ou même de skip une vidéo. Et aussi, on va aller. Ça, vous n'allez pas voir ça. Ce que je sais pas là, c'est que vous n'avez pas vraiment faire des recherches là-dessus. TikTok a un dark side. Là, vous avez dit, oui, tu peux mettre ça en mode sombre. Non, c'est pas de ce dark side que je vais parler. Mais plutôt du côté paranormal. Donc, des vidéos horreur, les vidéos assez glauques, qu'on parle. Et on va aller là. J'ai trouvé les hashtags. Si je trouve pas les hashtags, ça va être grave. Et, guys, je me donne un défi. Je ne devrais pas réagir. Il n'y aura pas de but, il n'y aura pas de point, mettons, si je ris, non. Si je réagis au TikTok, à la fin de la vidéo, je me mets un gage. Et ça sera une cuillère de Tabasco. Là, vous allez me dire, ben ok, ça va être facile. Moi, j'ai une twist. Je vais devoir le garder pendant 3 minutes dans ma bouche sans avaler. Ça va chauffer en tabarnak. Donc, si je ris, je réagis au TikTok que je vais vous montrer, que vous allez voir également. Vous pouvez faire le challenge avec moi, vous n'êtes pas obligé avec le Tabasco. Mais moi, je vais me rajouter une petite twist avec le Tabasco. Je vais devoir le garder, je vais me chronométrer. Vous allez aussi peut-être voir le chronomètre à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre le temps, puis je ne vais pas tricher. Donc, si j'arrive, si je réagis, je prends une grosse cuillère de Tabasco et je la garde dans ma bouche pendant 3 minutes. Ça va vraiment, je vais essayer d'être le plus loin possible. Et si je n'arrive pas au TikTok, ben pareil, je vais le faire. Je vais faire ce gage-là parce que ça serait plate. Donc, tu peux attendre, on commence maintenant. Alright, guys, on s'en va sur TikTok. Bon, de son. Tell me you're binge watching Jesse without telling me you're binge watching Jesse. Here, I'll start. Tout va bien. J'ai pas réagi. Je connais ces challenges-là, genre, dis-moi si. Il y en a aussi un Québécois, dis-moi que t'es Québécois, sans me dire que t'es Québécois. C'est des affaires de même monde, font même des collèges avec ça. Ok, prochain. Est-ce que l'on peut vraiment reprocher aux jeunes de sortir en pleine période Covid? J'ai pas mal de collègues ainsi que des parents qui n'arrêtent pas de me dire que c'est scandaleux ce que les jeunes font, qu'on les surveille pas assez. Et personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Déjà, première chose, c'est facile de critiquer les jeunes quand toi tu as 30, 40, 50 ans. Toi, tu as déjà vécu en grande partie ta jeunesse. Là, on parle de jeunes de 17, 18, 20 ans qui sont en train de passer à côté de leurs plus belles années. Est-ce que c'est juste pour eux? Et puis, c'est bien beau de les critiquer, mais les réunions de famille que vous faites le dimanche, on va pas se mentir, ça en revient au même. Je trouve ça totalement injuste que l'on accuse les jeunes d'irresponsabilité, alors qu'au final, nous, en tant qu'adultes, ça nous fait tout aussi mal. Et on ne respecte pas plus que ça. Osez me dire que depuis le début de l'épidémie, vous avez été totalement irréprochable. Vous avez tout respecté à 100%. Ça, je n'y crois pas. Rappelez aux jeunes les gestes barrières à appliquer, je suis d'accord. En disant que c'est à cause d'eux que l'épidémie continue, c'est être hypocrite. C'est tout pour moi. C'est un beau message, pareil, hein. Prends-moi ce beau message, pour vrai. Ok,
Yay, je vais. Bon, ça. Je peux quoi dire? Honnêtement? Les danses TikTok. Je pensais pas avoir ça, pour vrai. Je suis désolé, hein, si vous avez vu une fille. Ben, pareil, hein. Dumbbell stupide. Ok. Voilà, ce genre-là, c'est de ça me prend une grosse erreur. Elle s'en rend compte. Que probablement a été débile. Pour vrai. Pour vrai, je pense que je me regarde puis je suis sûr que j'ai réagi, man. Je suis sûr que j'ai réagi en quelque chose de whatever. Parce que je suis resté comme ça, bloqué, puis on se dirait que je suis assez surpris. J'ai été surpris par une vidéo. Ça sent le Tabasco Tapanon. Oh, ça. Alors, ça, c'est cute au bout. C'est débile. Ça me touche profondément. J'ai pas compris celle-là. À moins de couper, guys, on va en faire encore trois autres. On va checker trois autres encore. Puis si je trouve rien qui m'en fait réagir, là, là, je vais couper. Et je vais aller voir, je vais fouiller dans la barre de recherche, puis lui taper des hashtags. Une chose à dire, le stock est beau. C'est tough pour réagir à ça. Les points de vue là. Guys, si vous voyez des TikTok marqués POV, en anglais ça veut dire point of view. Je vais vous traduire en fait, ça veut dire point de vue. C'est des acting, c'est du sketch, c'est. Tout est faux. Okay? Mais certains points de vue que moi j'avais vu que malheureusement, c'était vrai. Comme quoi il y avait une personne qui avait fait un point de vue qui nous partageait en fait
puis qui avait fait un autre sketch, mais c'était exactement ça qui est arrivé. C'était, je pense, un de ses amis, donc, qui avait remis ça sur TikTok, puis qui avait une petite reconstitution de ce qui s'était passé, de comment il l'a appris, que son ami était décédé. Et je pensais qu'il y avait une petite larme là-dessus, là, parce que, ben, ça peut se m'arriver aussi, je suis en deuil, donc, normal, depuis bientôt 7 ans. Ouch! Donc, ça m'a touché, ça m'a touché. Vous voulez plus me toi? Attends. Le parking de l'hôtel. Pas le poisson de l'hôtel, s'il vous plaît. J'ai dit non, dégage. Encore, ce que c'est? C'est mon frère. Ça, c'est chien, ça. Encore un point de vue. J'imaginais la scène, puis je pense que son frère, ben, malheureusement, le frère d'Antel, le frère fictif, a été splashé par un char. Je vais réagir. Okay, ça, c'est vraiment bad pour vrai. Ok, c'est vraiment bad. Guys, présentement, là, on va. Un sprint de bande de recherche. Je coupe, puis je reviens. Ok. C'était beaucoup plus facile que je pensais. On y va. Donc là, j'ai. Vous le voyez avant moi là. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est voilà. Là, vous voyez ici, guys, qu'il y a une grille. Bon, come on! Si vous voulez rire, allez, c'est à bord de recherche, marqué. Je pense que c'est hashtag laugh. Je vous mets l'hashtag ici, guys. Marquez ce hashtag. Si vous voulez rire, allez sur TikTok, marquez ce hashtag là. Marquez juste cet hashtag là, vous allez en trouver. On a compris. Ça va se faire en détail. C'est justement que. Pour ceux qui sont malingres, c'est justement qu'elle met beaucoup de balai. Elle s'est pété la face, puis elle dit qu'elle n'a pas de rire depuis. Elle n'a pas de rire parce que la façon dont elle est tombée. Ma fille, t'aurais pu vraiment te faire mal. Là. Guys, présentement, là, ok. Là, je fais pas direct au début. Là, oui, une photo, je vous mets une photo juste là. Boum. On dirait que. Elle se cache les boules. Je suis sûr que maintenant, on a vu ça. On a vu. C'est bon, puis fait, oh shit. Ouais, alors. Ok, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un gars et une fille qui vivent dans une relation à distance. Le gars est militaire, la fille l'a trompé. Oh my god! Suivant. Have
Et ça en rime. On a fait des dernières après ça, guys. Après ça, je m'en vais dans le dark side de TikTok. Y'a rien de drôle là-dedans, là. Il mérite d'être vu celle-là. Hey! What? I'm sorry! I'm sorry! Sean! J'ai réagi là. Mais je sens que je vais faire la grosse cuillère. Dernier! Il y aura un coup, guys. Je m'en vais directement dans le paranormal du stock. Je vous reviendrai. Alright. Ouais. Oh, ça paraît-tu que j'ai déjà changé plein de caméra? Bordel. J'ai tapé juste horror. Horror. Je me l'ai acheté ici. Mais pas l'hashtag. Tapez juste ça dans votre recherche. C'est pas l'hashtag, excusez-moi. Donc, si vous voulez rire, tapez laughing. C'est ce que vous avez au début, en tantôt. Si vous voulez avoir un peu plus peur, mettez ça. J'ai déjà réagi, guys, j'ai perdu. Je sais. J'ai déjà réagi. Une fois encore, je me dis, si tu veux pas réagir, c'est-à-dire pas rire, pas soi. Et surtout pas rester neutre. C'est-à-dire, même si sur 6, c'est. Mais si je vais. C'est réagir. Okay? Mais si on réagit, j'ai vu. Je me suis vu faire. Dans la caméra, parce que, ben oui, je me suis. Parce que j'étais comme souvent comme ça. Puis. Je voyais que mes sourcils. Ils sont travaillés. Je triche pas, je regarde pas, en fait, je regarde vraiment mon cellulaire. Puis je me vois dans la réflexion. Je me vois dans la réflexion, puis je me vois réagir. Fait que je sais que j'ai perdu. Donc, ça va être le Tabasco. Après cette séance-là. Donc, encore une fois, vous voyez les vidéos. Donc, hop là, j'étais dans le son. Donc, je me vois encore, guys. Vous voyez les vidéos là. On les fera pas toutes. Ça va peut-être. Je peux pas non plus que les doses durent trop longtemps. J'ai d'autres choses à faire également. Dont écrire le court-métrage que je vais faire de la 105e vidéo de la partie 2 de mon premier court-métrage de ma 105e vidéo. J'ai ça aussi. Donc j'ai pas envie que les doses durent trop longtemps non plus. Plein d'heures avec le Tabasco. Ben. Ça va faire une bonne petite vidéo. Donc, on regarde encore des vidéos qui sont supposément peuvent nous faire peur. J'essaie de ne pas réagir à ça. Anyway, j'ai perdu. On fait le Tabasco et ça va être la fin de cette vidéo. On commence avec la première. Go! J'aime le camera, cover the camera. Oh shit. Je pense que j'ai dit oh shit, j'ai dit oh merde, mais je pense que j'ai dit à la fin. Mais le regarde. Je vais prendre le Tabasco, je vais faire mon gage, tu sais. Pas mon gage, je sais, j'ai réagi. J'ai ri. Lorsque la souris a fait un petit shining là, puis j'ai ri. C'est pas compliqué. Next. Most of us have heard of these things. We just call them by different names. In European culture, they may be referred to as gnomes, sprites, or elves. As Spanish speakers, we call them duendes. These clips are alleged sightings of duendes.
the hell? Of your home, especially in the walls of children's bedrooms. For some reason, they like to cut toenails from children's feet, sometimes cutting off the entire toe. Have you ever heard a knock seeming to come from inside your wall? Have your pets ever been spooked by something you can't see? Did you ever put something somewhere, knowing exactly where you left it, but woke up in the morning to find it wasn't there? Has something pulled on your blanket while you were asleep? Maybe you have a duende. Un petit exemple aussi de ce que je peux dire par magie du montage. C'est ce que c'est réel ou ce que c'est fake? Personne ne sait. Suivante. Quelle histoire de peur? Une route bloquée, une fausse route bloquée au New Jersey. J'ai pas compris. Oui, je suis bilingue, mais. Next. Non, on va faire très bien de mort. Voilà. Comme là, je l'ai vu, c'est d'où le je sais. Je savais qu'elle allait arriver. C'est pour ça que j'ai pas réagi. Alors, c'est un set par peur ou c'était pas rire ça? Mais je l'ai vu là. J'ai vu avec, en fait, l'espèce d'entité là. Venez, c'est, on l'a vu, se tasser vers l'écran puis on l'a vu qu'il est capturé. Suivante. Une poupée. C'est le bon, là. C'est vrai, je pense. Suivant. Je vais la renvoyer. Next. James, yeah, I don't know where they bought that doll at. Yo, what's up?
Désolé, guys, ceux qui sont bilingues, je vais. En fait, c'est vraiment des affaires que. C'est toujours retenu, en fait. Seulement, sinon, c'était vraiment pas clair pour vrai. C'est le fait de Michael Jackson que, 5 heures avant qu'il meure, une personne avait prédit exactement comment Michael Jackson allait mourir. Ça fait pas peur, c'est juste traumatisant. Ok! Donc, c'est ce qui. Ben, je me fais avec cette vidéo-là. Et là, comme vous savez, il est temps du gage. Donc, il y aura une coupe. Je prépare ma cuillère. Et on va partir le chronomètre, qui est pourquoi j'ai oublié mon sel. On va partir le chronomètre. Je vais le mettre juste ici, à côté de moi, le chronomètre. Le chronomètre. Pour faire 3 minutes. Donc, on se voit un peu plus tard. Alright, guys. Cuillère Tabasco. Donc, une cuillère Tabasco. Voilà la cuillère. Vous la voyez pas tellement, là, mais nous verrons ça. Et vous allez dire sûrement, c'est pas assez, tu sais, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu fais? T'es faible. C'est puissant. Ok. Pour en avoir déjà ingurgité beaucoup dans le passé. Donc, on va y aller. Esprit, j'ai pas envie. 1, 2, 3. Je vais garder tout ça dans ma bouche pendant 3 minutes, guys. Le chrono est ici. Vous voyez que t'as enregistré. Et là, vous le voyez à côté de moi. Là, vous le voyez à côté de moi, guys. 1, 2, 3. Oh man! Là, vous avez sûrement vous dit, guys, que. Là, vous l'avez vu sûrement, là, mais. Ça, moi, ça fait genre 5 minutes que je me fais en ce moment. Mais vous l'avez vu sûrement en accéléré. Parce que j'avais envie que ça dure longtemps. Et j'ai la langue en feu. Et là, vous dites sûrement. T'as le tueur de lait tout le long. Là, vous l'avez vu sûrement, là, quand j'avais fini le temps, là. Oui, je me suis préparé. Oh man! Alright guys! Hey, j'ai la langue en feu, man! La vidéo terminée. Si t'as mis like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Les réseaux sociaux en description. Dis-moi dans une vidéo en commentaire, ça m'a fait plaisir de les prendre. Et nous, on se voit vendredi prochain, à 8h sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde! J'ai la bouche en feu!